Donc yop tout le monde, c'est The Snow Wolf et aujourd'hui on se retrouve sur sur la map, enfin sur le modpack Material Energy 4 en compagnie de Gentil Beau. Salut à toi. Salut. Au passage j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, voilà, j'avais oublié de le dire. Ah merde, je suis tombé en bas, salut. Alors première erreur qu'on va faire là, c'est... Premier fail, en effet. Parce qu'en fait, dans la nouvelle... dans une... Ok. Ok. On fait que de ces failles. En fait, dans les nouvelles versions de la map, il y a des blocs qui sont donnés dès le début. Mais oui. Apparemment, dans cette version-là, il n'y a pas. Enfin, alors je vais prendre ça et ça. Tu veux prendre le compas ou des trucs comme ça? Non, c'est bon. Par contre, j'ai plein de livres et plein de tapras à te passer. Ça, c'est normal. Faut okay. Le garder. C'est... Ça pourrait t'aider pour les crafts. Du coup, on va où? On va buter du méchant? On non, va... il faut descendre justement. En fait, on s'était pas fail. C'est juste qu'il fallait récupérer le livre. Alors déjà, je vais te lire le petit spatial log. Ok. Tu vas remarquer un truc génial, c'est que dès que tu te mets sur ce bloc, tu vois des trucs. Oui. Et toi, sur le bloc, tu vois pas des écritures s'afficher? Si, des écritures. Ne saute surtout pas. Ne saute surtout pas. Il se passe quoi si je saute? Tu te TP à l'endroit. Ah, alors... Corruption spatiale trouvée. C'est des logs, hein. C'est... Corruption spatiale trouvée. Scan des erreurs. States reverted. Alors ça, j'ai pas trop compris. S'il vous plaît, réalignez les secteurs spatiales. D'accord. Bon, bah c'est ça que ça dit. Ah, alors on partage les cookies en deux. Hop. Je prends deux flèches parce que je suis sympa. Hein. Ouais, ok. Je te donne le reste. Alors il y a un œuf, il y a un œuf en or, qui le prend? L'œuf en or, prends-le. Attends, il y en avait 8 ou pas des items que tu as pris? Les cactus 8. Seeds, il y en avait combien? Je les ai pas pris les cactus seeds. Ok, donc on en prend chacun 2. Et sugarcane seeds, c'est toi qui vas en prendre 3. Voilà. Et tu prends la terre cuite rouge, ça sert à rien un truc? Non mais je l'ai pris. Ok, il en restait 32. What? Pourquoi il reste 2 trucs là? Faut que tu les prennes hein, les trucs. Ouais. Voilà, c'est bon. Maintenant t'es prêt? Ouais. C'est parti. Et pourquoi la téléportation ne marche pas sur moi? Bah faut sauter. Oui bah je saute. Faut sauter comme ça. Destination is obstructed. What? Faut sélectionner la destination la plus proche. What? Pourquoi ça marche plus? Ah mais je suis en game mode. Pff. Fail. Ah oui, d'accord. D'accord, il était en GM. Oh, t'es transparente, tiens. Ah bah c'est bon, ça marche. Pas chez moi, oui. Ouais, un hyper cell 31 U peut me modifier. Alors, vise le truc qui s'appelle... Attends, vise le truc qui s'appelle Reactor. Reactor, ok, je vois Reactor. Voilà, c'est bon. Ah oui. Alors, bienvenue dans la section Reactor. Attends, quoi? Pourquoi il y a ça là? En fait, je vous explique, dans les versions récentes de la map, dès qu'on arrive, normalement, dès qu'on arrive dans la chambre où on était... Ah, trophée. Ouais, dès qu'on arrive dans la chambre... N'essaye pas de le casser, tu y arriveras pas. Dès qu'on arrive dans la chambre où on était, normalement, on devait recevoir... Enfin, il y avait déjà des trophées posés. Ouais. Et dans cette version de la map, apparemment, ils y étaient pas. Donc, je sais pas, soit la map était corrompue, soit c'est que... soit c'est que, ben... il y était pas encore, ils y étaient pas encore. Donc au pire on se les givra. Et il y a des grosses bouboules. Alors si tu connais Big Reactor, je te laisse gérer. Moi perso je connais pas trop. Alors on va dans le spatial IO. Tu te rappelles ce dont je t'ai parlé? Parce qu'en fait je vous explique, on a un projet avec JT, enfin c'est plus moi qui l'ai eu ce projet, mais je lui demande de m'aider. C'est de créer comment ça s'appelle? Une map, non? Une map, ouais. Une map qui est basée sur ce type de map. D'ailleurs, je me suis inspiré un peu de cette map. Alors. Ouais, et c'est pour ça qu'il nous a dit, qu'il m'a dit d'y jouer, et on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas vous le faire en vidéo. Donc, voilà. Une map modée. Ça, c'est bien, les maps modées. Alors, attends. Pourquoi il n'y a pas tout le monde qui fait des maps modées? Voilà. Ouais, j'avoue. Alors, attends. On est dans le spatial IO, donc il faut aller vers... Pas le Chemlab. Il faut aller vers le... Non, pas le spatial incubator. L'observatory.
Observatory. Oh, mais encore cette histoire d'observateur. L'observatory. J'essaie de le voir. Ah, je suis pas sur le bloc. Alors, je regarde ce qu'il y a dans les coffres. Tu permets. VM1. Ah, oui, mais... ça va aider. C'est un observatory. C'est bon. JT. Ce bloc va grandement nous aider, surtout pour les quêtes où il faut. Il faut délivrer des items. C'est un bloc mi-Minecraft, mi-Mario, parce qu'il y a... Il y a le champi méga de Mario, là. Alors, ensuite... ouais. Et on voit le contenu des coffres, c'est bien, ça. Ouais, c'est très très bien. Donc, hop. Je te dis, je prends les trucs. Parce que comme ça, je vais pouvoir... En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est inviter mon pote qui est fort avec ce mode... à jouer parce qu'il y a joué en plus à ce mode pack, je crois. Ton micro a bugué pendant 2 secondes, mais ouais, c'est vrai que oui, parce que t'as moi, du coup, moi je suis un gros retard. Tu vois, j'ai provoqué une explosion nucléaire sans le savoir. Genre, il fait quoi ce bouton? N'y touche surtout pas. Je viens d'y appuyer. Voilà, alors on va voir ce que ça sert. Alors, est-ce que je peux... Non, je peux pas encore mettre des items dedans. Attends. Donc voilà, si je fais des fails, c'est parce que Jules s'y connaît bien dans ce mode. Je m'y connais pas tant que ça bien en ce mode, mais je m'y connais pas mal. Oh merde. Ouais. Moi, ce qui est subi, c'est tout ça, voilà quoi. C'est vrai que d'un côté, ça m'intéresserait bien parce que... voilà quoi, mais pour l'instant, j'ai jamais vraiment touché en vrai. Oh, fail. Ah mais non, ça m'a récupéré. Ah. J'ai eu peur. Pendant 2 secondes, j'ai cru que ça avait fail. Carlog, replace space time walls. Ok, mec, j'ai trouvé un truc. Viens. Ah. Vas-y, passe. Je pense que ça va être une quête. J'ai trouvé ça. Visiblement, faut mettre les laines de l'espace-temps. Alors. Putain, c'est plus du tout classe la traduction française. Analyse de. Alors, attends, je vais le faire avec une voix un peu robotique. Analyse. Attends. Analyse du processeur. Erreur. Attends, c'est quoi? Erreur 404. Alors, attends. Oui, mise en route du processus de... Attends. Mise en route de la réparation automatique. Non, si, c'est ça. De la réparation automatique. Laine manquante. Replacer les laines... les laines de l'espace-temps. Pfff. En gros, c'est ça, c'est une map CTM. Complete ouais, c'est une map CTM, mais on aura des side quests comme ça. Bah, il y aura des quest book. Enfin, dans le quest book, t'as des quêtes. Donc là, actuellement, on est dans l'espace-temps de matériel énergie 3. Au fur et à mesure du temps, on va évoluer, on va aller dans matériel énergie 4, et à la fin de la map, on sera à matériel énergie, on ne sait pas lequel. Mais c'est le futur matériel énergie qui va sortir si il y en a un qui sort. Oh, Unforeseen Consequences. Alors pour ceux qui savent pas, ça c'est peut-être une référence. On sait pas trop. Ouais. C'est le nom d'un chapitre de Half-Life, un jeu développé par Valve. Un jeu que tu aimes bien et que je devrais me faire une fois aussi. Ouais, bah il coûte 10€ sur le Valve Store, enfin sur Steam. Ouais. Ben, moi comme pour l'instant je suis pas vraiment en capacité de m'acheter des jeux, ben... Alors attends, tu vas me dire si tu reçois les rewards. Les rewards... Non? T'as pas reçu des trucs? Ouais, je regarde mon inventaire, non. Bon bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on aille chercher l'espace-temps. Hein. Bah écoute mec, prends ça, et ça. Oui. Maintenant tu prends ton livre Questbook. Questbook, ok, il est là. Tu cliques sur click here to start. Tu cliques sur ouais, mais je peux pas utiliser Ah bon? Oui, j'arrive pas à utiliser. Essaye de faire clic droit. Je crois que t'avais désactivé le mode. Non, il est activé. Non, mais je fais clic droit là. Bah, je comprends pas. C'est bugué. Merde. Dès le début. Bon, la série qui commence très bien, hein. Ouais, bah on résoudra ce bug peut-être dans le prochain épisode, ou alors je vais essayer de le résoudre maintenant. Ok, ouais, j'ai reçu ça. Team Buffer Reward Bag, ok.
C'est pas que j'ai réussi. Ah, tu l'as eu ? Oui, oui, faut cliquer sur le sol. Ouais, c'est pour ça que j'arrive jamais à me servir de ces trucs. Faut cliquer sur le sol. Et donc... j'ai le magnesium block. Donc voilà. Quoi ? J'ai des magnesium blocks de métallurgie 4. Ah, comment t'as fait ? Ben, en fait, le quest book m'a donné un sac à dos. J'avais cliqué et ça m'a donné un sac à dos. Ah oui, est-ce que t'as cliqué sur Enforcing Consequences ? Non. Attends, une forcène, une forcène conséquence. Alors attends, il faut que tu fasses clic droit sur le livre. Hein? T'as entendu? Ça marche plus. Ça voulait juste me donner un livre. C'est... Ouais, mais ça marche plus. Ça voulait juste me donner un truc. Ah mais non mec, t'as cliqué ici non? Cliqué ici, ouais. Tu sais ce que c'était? Il y avait des coffres ici. Ouais, c'était un coffre caché. Ah, j'ai trouvé un coffre caché. Donc si tu le savais pas, les coffres sont, il y a des coffres cachés un peu partout dans la map. Ok, ça explique tes coffres cachés avec des trophées et tout ça. D'accord. Et le magnésium va nous servir à quelque chose, je suppose. Ouais, donc... sûrement. Je sais pas encore quoi, mais sûrement. Pour une side quest, il y a un espace là-bas qui m'intrigue. En même temps, tout m'intrigue dans cette map. Ah non, c'est juste un coin. Ouais, okay. Alors attends, parce que je me suis fail, en fait c'est pas alimenté. Du coup, va falloir tout recommencer. Hein. Non, je rigole. Va falloir qu'on ait une pioche. Est-ce que j'ai une pioche? Non. La flèche du coup qui s'appelle quand même Flèche Vampire, on tient à le dire. On sait pas ce qu'on va faire cette flèche, elle va absorber de la vie. Si... Non, on sait pas trop. Ça y est, j'ai trouvé de quoi. Attends, je regarde si c'est Ender IO. Non, c'est Applied Energy Stick. Donc, il faut que je prenne un Crescent Hammer. Je vais voir si ça marche. Ouais, c'est ça, ça marche. Ouais. Ok, c'est bon. Maintenant. Oui, c'est la magie, parfaitement. Maintenant, il faut que je place. Moi, je te suis, hein. Si tu fais trois trucs, tu me dis, hein. Moi, je me fais un petit pouchier. Hein. Normalement par la magie du cours. Alors là je vais placer des disquettes. Et normalement si je fais... Alors on va voir un truc apparaître d'un coup là. On va se demander mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça Julien? Oui j'ai révélé mon nom comme ça. En même temps tu t'appelles King of Jules 2012. C'est pas du tout Ouais voilà, c'est pas du tout suspect hein. On se demande pas pourquoi hein. C'est comme moi, je m'appelle... Voilà, c'est fait. Tout le monde se demande quel est mon nom IRL. Hein. Bon, en vrai, je vous l'avoue, je m'appelle Jean Marmoud. Voilà. Bon, donc mec, regarde bien dans le terminal. Clique droit sur le terminal, mec. Clique droit sur le terminal. Non, le ME terminal. Ici, là. Ah, hein. C'est ça. Tu vois ce qu'il y a ou pas? Non. Ah bon? Oui, attends, c'est ça le terminal. Ah non, j'ai rien dit. Ah oui, il y a des trucs. Eh ouais. Alors mec, ce qu'on va faire, c'est... Oh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc. Oui. C'est qu'il va falloir qu'à chaque fois, on partage les récompenses. Oui. Sauf que du coup, vu qu'il y a un seul rebar bag, va falloir que je les multiplie. Alors, okay. On va prendre un... Ah bah, ça a tout pris. Bah écoute, voilà. Questbook. En fait, t'avais dit que le mode hardcore Questbook n'était pas activé sur ton serveur. Faudrait peut-être l'activer 2 secondes et ensuite le réactiver. Non, non, on peut pas le désactiver après. Ah. En fait, c'est pas le mode hardcore quest. Enfin, en fait, ce qui n'est pas activé, c'est le fait qu'on a que 3 vies. Ah merde, je me suis fait. Ah d'accord. Ouais, parce que je me demande pourquoi ça fonctionne pas ce truc. Voilà. Est-ce qu'il y a une touche spéciale peut-être, je sais pas. Piercing terminal. Voilà. On regarde, hein, mais... Oui, là... Le ME Storage Bus et le ME Interface Terminal. Et je suis sûr, il y a des gens dans les commentaires qui s'y connaissent en mode, qui vont me dire, ouais, tu utilises mal. Ouais, je suis sûr, dans les commentaires, les gens ils vont gueuler en disant, ouais, tu utilises mal un certain mode. On est des débutants, je tiens à le préciser. Ouais, voilà. On fait cette série en touriste et je pense que on va beaucoup apprendre dans cette série.
Exactement, on est dans un biome Mushroom Zone. Je me demandais un peu dans quel biome on était. Parce que j'avais vu un truc, ouais, la montre décolle un peu comme si on était dans un autre monde. On est dans l'end. On est dans l'end, ça faut le savoir. Ah, C'est d'accord. pour faire un peu plus spatial. C'est pour ça qu'il y a autant de sortes de brouillard. Alors. Donc ça, c'était le mur que j'ai traversé. Est-ce que faut sauter comme ça, genre comme un con? Oui, non. D'accord. RIP moi, repose une pepperoni. Alors attends, Bon bah je vais ouvrir le reward back et j'ai eu du un coup bah potage bloc. Ok. du Du coup coup c'est moi qui c'était fais toutes les quêtes et je te donne les récompenses aussi. d'accord, ça fait trop du coup dans la même phrase, mais du coup je cherche le réacteur, voilà, c'était tout Slash ça. game mode. Réacteur, une fois qu'il Ah, était alors, au petite difficulté une fois que technique. j'étais Je vais récupérer ton stuff. Ah tiens, j'ai ta tête. Je vais te TP à moi. Ok. Comment t'as fait pour atterrir comme ça en mode YOLO? Parce que je suis en game mode, hein. Vas-y, casse ta Ouais. tombe. Peut-être que si ça se trouve, on n'était pas censé être là en fait. Putain, je t'ai pas dit de casser le gla... je t'ai pas dit de casser le verre à côté. Ben, je sais pas, c'est de la faute à Mince. maman. What? T'avais une cloque toi aussi? Hein, quoi? T'avais ça toi aussi? Ce que je suis dans la Non. main? Attends, qu'est-ce que tu avais? Tu avais ça? Tu avais ça? Non, ça c'est à moi. Qu'est-ce que tu avais? Ah si, je te les avais passés. Tu avais... Ça. Tu avais 1, 2, 3. Mince, je t'ai tout donné. Tu peux m'en repasser deux? Deux de quoi? Deux... De Attends, c'est quoi déjà? C'est des seeds. C'est des seeds. hop. Merci. Maintenant, on remonte. Désolé pour autant de fails dans cette série, mais c'est parce que... Bon, on n'est pas très très préparé. Enfin, si. Je lui ai averti quand même que c'était... Non, et c'est surtout moi qui a sauté sans réfléchir. Genre, bon, allez, je vais tester un truc. Merci. Mais du coup, après, on est censé aller où? Parce que là, je me fais un petit peu chier. J'ai envie Alors, je te propose qu'on visite. Mais avant tout, je vais chercher tous les coffres cachés de cette pièce. J'en connais déjà un trophée, voilà. Il y en a certains que je connais parce que j'ai déjà fait la map, mais ça remonte à tellement longtemps que je me rappelle pas de tous. Du coup, c'est très amusant. C'est très amusant de chercher comme ça. Excusez-moi, je suis malade. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour là. Bon. Bah écoute, où est-ce qu'on va aller? Réacteur, je suppose que c'est le hub, du coup j'allais à... Est-ce qu'il y a une autre Eh ben destination là? je te propose d'aller de à VM. VM, où est-ce qu'il est? Là c'est la pastèque. Alors on redescend. On redescend à Spatial IO. Et on va aller vers VM. Spatial là-haut, d'accord. Spatial là-haut. Spatial IO. Et on va vers VM. Il y a VM et VM1, du coup je suis à VM. Et du coup, on va poser la première statue juste ici. Ah ouais, c'est un Victory Monument, d'accord. Et ouais, c'est une map ou c'est ETM, je l'avais dit, Complete the Monument. Et VM1, c'est quoi? Et VM1, il n'y a pas de VM1. Ben il y avait un VM derrière qui s'appelait VM1, du Ben coup c'est c'est parce qu'il un... y a 4 blocs et du coup ça met 4 destinations différentes, mais ça met le même. C'est au même endroit en fait. Alors regarde, il y a aussi les laines ici. D'accord. Il y J'essaie a d'avoir aussi Space Time Wall. Simba, Suzy. Il y a Deep Dark Cool, Retlo, Dark Bacon. Wow, on a beaucoup de trucs à compléter, Retlo, hein. Bonnie Macon. Et ouais, et c'est pour ça que cette série va durer pas mal de temps à mon avis. On est déjà à 18 Merci minutes de Simba. tournage, bon sang. Ouais. D'ailleurs, à 18h30, je dois m'arrêter parce que j'ai les médicaments et tout ça, du coup. Chemlab. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le Chemical Lab? Eh bah pas grand chose hein. Ah bah si, Ah, t'es au si. Chemlab Il y a un petit téléporteur. Ah. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Un Ouais, Fusion ouais. Urn. Ok, c'est tous les trucs de Mindchem. Et attends, moi je te cherche à peine. Je te Observatory. cherche à peine. C'est-à-dire que tu me cherches pas beaucoup. Mais Voilà. c'est... Exactement. Non, mais je savais... Non. Hey. Ok, Attends, c'est pour tout ce qui est Mindchem. Ah, Attends, il t'es y a un retourné petit peut-être trophée. à réacteur. Il y a un petit trophée, mais il va nous falloir des pioches. Parce que sinon, on peut pas ramasser les trophées. Et ça, c'est bien Ah. chiant. Par contre, je te cherche. Alors Moi attends, je vais regarder dans les quêtes pour bah, voir. je vais au spatial incubateur. Ah non, en fait, on peut pas y aller. D'accord.
Voilà, Time Reward. Je suis trop déçu. C'est très chiant ce bruit, mais il va falloir vous y habituer parce que... What, j'ai eu deux reward bags. Ouais, le petit bruit qu'on entend qui vient de chez toi, il me semble. Ouais. VM, réacteur. C'est dès que tu obtiens une récompense. Mais mec, c'est très chiant. Parce qu'en fait... Shamlab, ah oui, c'était là. Enfin, c'est très bizarre. Alors attends, je retourne au... Ah ouais, c'est perturbant le sol. Hein. Je retourne au Reflection Pool. Non, c'est pas Reflection Pool. Reflection Pool, bah remarque, faudrait peut-être y aller. Je vais à l'observatoire. Du coup, où est-ce qu'on est? Dans une station spatiale? Dans un vaisseau? Dans un vaisseau. Normalement. Ouais, ah non, on est dans une station spatiale. Enfin, on sait pas trop où on est en fait. Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire. On est dans l'espace. Dans l'espace. J'allais faire cette vanne. T'es où spatial? Hashtag portal de forever. Hein. J'avais surtout pensé à What the Cut, mais ouais, dans Portal 2 aussi. On va trop spoiler, t'abonner. Désolé. Au fait, the cake is alive. The cake is a lie. Merci, t'as failli dire que le cake c'était la vie. Du coup, je suis Victor Human Human, t'es plus cher. Non, j'allais dire que le cake était vivant. Merci. Ah ouais, d'accord. Oh, attends. Je me demande si c'est pas un truc que je devais avoir, justement. Attends. Je me demande si c'est pas un truc que je dois utiliser pour compléter. Hop. Ok, observatory. Et après on peut pas aller vraiment plus loin, j'ai l'impression. Je prends les cookies. J'avais oublié qu'on avait à manger en fait. À rigueur, il y a la salle où je suis mort en testant si on peut... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on est censé aller en bas? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, moi en fait je cherche un petit peu la suite de la map parce que pour l'instant on a que ça, tu vois. Bah en fait justement on a que ça pour l'instant, mais il y a un melon. C'est très mystérieux parce qu'en fait, il y a un melon mais il faut un code. Donc en gros, il faut un item qu'on va placer dans ce truc. Et il faut trouver quel item c'est. Donc et il y a aussi le spatial incubator, mais destination is obstructed. Ça veut dire que la destination est bouchée. Donc ouais, ce qui veut dire qu'il y a... Justement, j'ai fait la remarque tout à l'heure, j'ai essayé le TP. Oui, il y a un truc à spatial incubator. Je pense que c'est peut-être pas la suite, enfin je pense pas. Justement c'est la suite, parce que ça veut dire qu'on doit la débloquer au cours de l'aventure. Ouais, enfin ça veut dire que c'est la suite, mais là je dis pas que c'est la suite directe, je dis pas qu'après avoir quitté l'observatory... Alors, dire... Travel Anchor Visited, je claim... Alors à mon avis, je pense qu'il y a un truc à faire, je pense qu'il y a un truc à se passer à l'incubateur, je sais pas. Alors attends, il faut aller... Après, moi si je suis bien à fond l'aventure et tout ça... j'irai se passer à l'incubateur, il y a un truc un peu dangereux qui a cassé presque le téléporteur, tu vois. Alors mec, je te dis tout de suite, je vais faire un peu le tour et je te partagerai les récompenses, enfin je te passerai les récompenses, parce qu'en fait il y a des quêtes à faire. Et si tu fais pas toutes les quêtes, tu débloques pas les autres quêtes. Ah mince, il faut que je mange des cookies. Au fait, t'as toujours tes cookies ou pas? Oui, j'ai toujours. Attends, ce que j'ai réussi. Non, je les ai plus. Tiens. Ah, merci. Du coup, d'après ma théorie, je pense qu'il y a un truc à se passer à l'incubateur. Je pense que ça doit être assez dangereux. Bon, on va quand même s'y aventurer parce que le danger, c'est la vie. Alors, on va au Victor Emmanuel pour... Enfin, je vais au Victor Emmanuel pour avoir la location validée. D'accord, je vois de quoi tu parles. Parce que tu vois... Je crois que j'ai trouvé un coffre caché. Ah merde. J'ai fait une grosse bêtise là. Mec, j'ai trouvé un coffre caché, je te propose qu'on l'ouvre ensemble. Bah t'es où? Ben déjà je cherche un petit peu ta destination. Bah je suis au VM. VM, ça c'est l'incubateur, j'essaie d'utiliser en fait. T'es où là? Bah j'ai au VM, j'étais toujours à l'observatoire. Donc c'est voilà. où le coffre caché? Ben c'était au-dessus du téléporteur, tu verras sur ma vidéo. Et du coup on a deux boucliers en diamant. Ah attends, au-dessus du téléporteur tu veux dire au-dessus de... Oui mais je l'ai pris en fait. Ah d'accord. Je l'ai pris et on a deux boucliers en diams en fait. Alors attends. On va... Maintenant on va... Et du coup il me semblerait que nous avons le mode Battle Gear. Oui. Ce qui fait qu'on peut placer le bouclier quelque part. Hop. Ah t'as un bouclier? Deux boucliers même. Ah ouais. Tu m'en passeras un. Ah, main, Battle Gear, the... Alors, je vais regarder un petit peu dans les contrôles. Voilà, Dark ça c'est fait. Et maintenant le Big Reactor. Alors ça c'est dans Reactor. Mm-hmm. Oui là, mouvement. C'est dans Reactor. J'avais oublié qu'il fallait faire Sneak. Ouais. Reactor. Tech. Et le Big Reactor est juste là. Et voilà, maintenant Claim Reward.
ETU. Système Core, je l'ai eu. Spatial IO, il faut y aller. Et j'aurai un reward bag. Donc le reward bag, je vais te le passer aussi. Enfin, je vais t'en passer. Je vais te passer le double. Ah, c'est bon, je l'ai. Spatial IO, c'est bon. Non, 2 mètres. H. Voilà, c'est bon, je l'ai. H. Voilà, alors. Il va falloir que je me mette en créatif, les gens. Bah écoute, moi je mange avec Manion du Blazer Guard 2, hein, je kiffe la vie. Hop. Alors il va falloir que je te décuple le reward bag. Hop, voilà. Que je décuple ça. Et que je décuple X. ça et. Enfin décupler. Ce que je veux dire c'est Oh, tout ce qui s'est affiché d'un coup là. C'était excellent. Waouh, alors. La Geta Branch. T'es dans le futur parce que je vois pas où t'es. Enfin, je suis toujours à Vector. Ouais, je suis dans le. En fait, je suis dans le. Comment ça s'appelle? Je suis dans le spatial IO, mais je suis dans le livre là actuellement. Je suis en train de lire le livre. Et en fait, il y a des trucs qui s'affichent. Ah oui, spatial IO. Alors attends, tiens. Ok, merci pour le reward bag. Ok. J'ai un wooden frying pan. Donc si tu sais pas comment on utilise le reward bag, tu fais tout simplement clic droit et ça te donne des trucs. J'avais remarqué, merci. j'ai un bouclier en diamant pour toi. Alors tout ce qui s'est affiché. Mec, bouclier en génial. Diamant derrière. Ah ouais, où mais il est dans ton inventaire. Ah oui. Donc voilà, vous arrachez peut-être les cheveux dans cette vidéo. C'est ce casque qui est drôle. Alt Shift. Center of the chamber. Alors, où est-ce que c'est? 57 mètres away. 57. Je suis censé attirer des trucs. T'es où? Le centre de la chambre. Ce qui est drôle, c'est que je sais pas où c'est. Oui, mais mec, t'es où en fait? En fait, là, je suis allé au réacteur pour voir si c'était pas ça. Mais c'est pas du tout ça. Ah. Je vais passer à l'IO et je vais au VM. Ça doit être au VM. Ouais. Alors VM. Non, c'est encore plus loin. C'est pas au VM. Ça doit être. Bah on a par tous les téléporteurs qu'on a vu, on n'a pas encore vu. Observatory. 58 mètres, ouais. Spatial IO. Chemical Lab. Spatial incubateur. Non, on est. Il faut aller au milieu. Il faut aller au milieu. C'est abusé. Mais comment on est censé sur. Ah mais je sais. Mec, je sais comment. Mec, peut-être que. Il faut trouver un truc. Il faut trouver une disquette. Une disquette. c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est littéralement une disquette. C'est une disquette qui contient une sorte de chambre. Et cette chambre, elle va se déployer quand on va rentrer la disquette dans le spatial IO. Et je crois oui, le truc qui... C'est pas le truc qui nous qui fait amener à une chambre. Ok, j'ai eu un reward bag. Je te partage les trucs qu'il y a dedans. Tu m'avais dit sur ta map, c'est pas la chambre qui va se TP à moi, c'est la chambre qui... C'est Non, c'est pas moi qui vais me TP à la chambre, c'est la chambre qui va se TP à moi. Voilà, c'était ça. Waouh, j'ai pas l'air classe avec mon bouclier. Genre, le bouclier est bien derrière le dos. Du coup, on ah merde. Non, attends, rends. Ah, oui. Tu prends lesquels, les bones ou les obsidiennes? Obsidiennes. Ok. C'est des couteaux de lancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ne les lance pas parce que ça va les gaspiller. Alors, bon, on va au spatial IO, il doit y avoir une chambre cachée. Ok, spatial IO, zone secrète. Et on va dehors bientôt s'arrêter parce que j'ai bientôt des médicaments à prendre et tout ça. Du coup, moi, après, ouais, ça m'emmerde un peu. Du coup, vraiment. Ah, j'ai eu un Enderium Nugget. L'Enderium Nugget. Oui. Ah, ici, j'ai eu un reward bag. Ensuite. Oh, regarde. J'ai une flat lamp. Ici j'ai une Enderium. Et ici un reward bag. Ok, bon bah j'ai deux reward bags, je t'en passe un. Okay, t'as cassé un truc ou quoi? Non, j'avais cassé un truc mais je l'ai reposé. Ok. Tiens, je te donne un reward bag. Hop, et moi je prends l'autre. On a des blocs dans notre inventaire. Est-ce qu'il faudrait pas s'en servir? J'ai un M Storage Bus. Et toi? J'ai des cookies. 5 cookies. Ok. Toi t'as la bouffe, moi j'ai des trucs techniques. Alors attends, est-ce qu'il y a pas un truc? J'ai remarqué. Il y a déjà un truc. Il y a déjà un truc. Mec. Oui. Il faut le passer. Tu vas à l'observatoire, tu vas leur montrer.
Ouais, deux secondes. En fait, je me demandais ce que c'était Reflective Pool, mais c'était Spawn. Ouais. Du coup, j'y suis allé comme un gros Va à con. l'observatory, tu vas leur montrer. En fait, je suis le mec qui ne comprend rien. Alors, Spatial Incubator, non, c'est pas ça, Spatial Je vais te IO. montrer d'ailleurs ce que ça fait, parce que toi tu l'avais pas vu, parce que ça avait bugué. Oui, Donc, ça a c'est bugué. là-bas l'observatoire. Voilà. T'es prêt? Ouais, je te cherche juste de la carte. C'est bon? Wow! Et Ah, voilà. je viens de voir le truc. Mec! Et j'ai cru que c'était corrompu, j'ai eu peur. Et donc c'est là qu'on va pouvoir aller au milieu de la chambre. Voilà. Mec. Et là je suis littéralement au centre. Ah, c'est un truc exceptionnel quoi. On est Chuck Norris, nous. C'est pas nous qui nous TPons à des endroits, c'est des endroits qui... Oh putain, il y a des mobs en bas. Oui. J'ai oublié de te prévenir. Oh non, t'as détruit la map, c'est pas drôle, JT. Mob Griffing n'était pas activé, non? Ah bah non, apparemment pas. Voilà. Gideon Seymour, Bucket of Blood. Ok, c'est génial, j'ai un seau de sang. J'adore. Ah. Un seau de sang, t'es un vampire toi, c'est... Machette, et celui-là, 5. Ok, je te donne le truc qui fait 5, je prends le truc qui fait 4. Oui, parce que je suis gentil, je suis généreux. Wesh, les squelettes ils se tirent mutuellement dessus. Résultat, bah ils s'enflamment, parce qu'ils ont des flèches de feu. Ah oui. Ce squelette non intelligent. Attends, qu'est-ce que ça fait toujours? Bah l'intelligence artificielle, tu sais comment c'est, hein. Ouais, Ah oui d'ailleurs, tout mob qui est. J'ai oublié de vous prévenir, tout mob qui est enfermé dans le disque, il reste enfermé, y compris les joueurs, il reste enfermé jusqu'à ce que le joueur rouvre la disquette. Tiens. Voilà. Mmh. Et maintenant, c'est parti. Ouais, ça rigole pas ces histoires de disquettes les gens. Oh mon dieu. Attends. Oh mon dieu, c'est des flèches explosives. Oh putain. Deux oh oui. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent mutuellement. Enfin, mutuellement c'est normal, c'est qu'ils s'entretuent. Enfin, ils s'entretuent aussi. Oh pardon. Ok, attends mon gars, je remonte. Ah c'est chaud. C'est chaud, je remonte, c'est mort. Hop. C'est bon, j'ai débarrassé un petit peu la situation. Merde, y a un squelette juste en dessous. T'es prêt? Ouais. Yes. Ouais, je me suis encore fait tuer, tu fais une TP? Ah merde. Je vais crever. TP moi vite. Oh, j'ai failli crever. Slash TP gentil beau King Jujul. Voilà, c'est bon. Merci. Bon. Où est ma tombe? Ta tombe est en bas, normalement. Ok, je dois aller pisser sur ma tombe. Non, c'est que... Le mec qui se respecte pas du coup, il va pisser sur sa propre tombe. Ah, attends, what? Ah, putain, je me suis encore enflammé par un truc là. Mais what? What? Oui, tu t'es fait enflammer par les flèches de feu du squelette. Oui, ben je l'ai senti le squelette, il m'a fait chier du coup, tu peux me retaper s'il te plaît? Ouais. Parce que avec un tel nombre de morts, on se permet des TP. Hein, de... T'as failli te... Wow, wow. On n'est pas très professionnel, voyez-vous. Où es-tu? Ok, merde. Shit. Faut qu'il y ait tué. Ah, oui. Non, il y en a deux. Et merde. Putain, les emmerdeurs. Oh. Bon, on retombe. Et on retourne. Ouais, ben écoute. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Et écoute, parce que j'ai des médicaments à prendre, moi. Alors, c'est ça le souci. Puis tu reviens quand? Ben 18h30, j'ai des médicaments à prendre. Et 18h28, alors on tombe. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous voyez la suite de nos galères et de nos fails dans le prochain épisode. Attends, je vais récupérer ma tombe, attends. Ouais. Et sur ce, on vous dit... Ah non, ça c'était ta tombe. Oui, ben il y a marqué un gros gentil beau, donc normalement t'es pas censé te tromper. Ah voilà, c'était ma tombe. D'accord, j'ai 2000 tombes à casser, moi, c'est sûr. Il y a un creeper, je retourne en arrière. Ouais, du coup, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Matériel Énergistique 3. Non, c'est 4. C'est le 4, je confonds, et le 1, le 2 n'existe pas, le 3 on avait des soucis pour le faire, enfin on peut pas le faire. C'est tout ce que j'ai compris. Et... Skate. Et j'ai trouvé des armures. Merci. Bon. Oh bon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Bye bye. Attends. Ah merde, c'est bye pas bye. Bye bye.